André Canabic, et tout un ego surdimensionné, n'en fait qu'à sa tête. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à la fin de cette vidéo. Dans une sortie médiatique fracassante, l'ancien lion indomptable, André Canabic, a vertement critiqué le management de Samuel Etou, l'icône du football camerounais. Les mots sont forts, les accusations sans équivoque. Samuel Etou, après une campagne présidentielle prometteuse, a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football. Mais après 2 ans et demi de mandat, le constat est amer. Le bilan est loin des attentes. Pourquoi ? Selon Canabic, l'ego démesuré de l'ancien attaquant du FC Barcelone est en cause. Il agit en solitaire, ne tient compte d'aucun avis, et les résultats ne sont pas à la hauteur. Nous parlons plus des scandales qui secouent la fédération que des avancées pour le football camerounais, déplore Canabic. Les multiples affaires ont éclipsé les progrès potentiels. La présidence de Samuel Etou est loin d'être sereine. Pire encore, il semble vouloir cumuler les rôles de président et de sélectionneur, une situation qui suscite des interrogations. Le duel entre ces deux figures emblématiques du football camerounais est désormais sur la place publique. D'un côté, l'expérience et la franchise d'André Canabic. De l'autre, la détermination et l'aura de Samuel Etou. Qui sortira vainqueur de ce match verbal? L'avenir du football camerounais est en jeu. Ah, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.